Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester un hub USB-C disposant d'une prise Ethernet pour MacBook Pro 2016. Sur la nouvelle génération de MacBook Pro 2016, Apple a retiré bon nombre de ports USB 3.0. Si vous souhaitez continuer à pouvoir brancher vos appareils USB 3.0 sur votre nouveau MacBook Pro 2016, il vous faudra ce type d'adaptateur. Ici, il s'agit d'un hub de la marque OK qui dispose de 3 ports USB 3.0 limités à 5 gigabits par seconde en termes de débit de transfert de données. La particularité de ce hub est qu'il embarque un port Ethernet RJ45. On va donc déballer le produit et voir ce qu'il en est. Donc au niveau du packaging, il est assez simple. On retrouve le logo de la marque OK sur la face du dessus avec un aperçu du hub. Ce hub sera assez transportable puisque sa taille est relativement petite. Le hub est en plastique blanc et comme on voit juste ici, il dispose donc de 3 ports USB 3.0 sur sa face avant. Sur le haut, on retrouve le logo de la marque OK et sur le côté, on retrouve le port RJ45 1 gigabit seconde. Ici, on a la fiche USB-C que l'on viendra plugger au MacBook Pro. Ce hub ne nécessite pas d'alimentation, il est auto-alimenté par le port Thunderbolt 3 du MacBook Pro. Et sur la face du dessus, on retrouve les certifications européennes ainsi que quelques indications concernant le modèle du hub. Ce hub se veut donc comme très transportable, disposant de 3 ports USB 3.0. Vous pouvez relier les disques durs ne nécessitant pas d'alimentation externe ou des périphériques ne demandant pas trop d'énergie comme les clés USB, souris ou clavier. Le port RJ45 est tout ce qu'il y a de plus classique, n'importe quel câble Ethernet à la norme RJ45 pourra venir se plugger sur ce port. Vous pourrez donc bénéficier du réseau filaire sur votre Mac. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce hub disposant de 3 ports USB et d'une fiche Ethernet, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. En ce qui concerne le prix de ce produit, comptez environ 18 € sur Amazon. C'en est tout pour la prise en main de ce hub USB-C de la marque OK, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.